C'était vers 19h15 minutes lorsque, au niveau de la route qui sépare les zones de Kamenge et Chibitoke, c'est dans la commune de Nahango, au niveau du bar, dans certains Patrick, le bar Zikoshua, un criminel a jeté une grenade sur un groupe de gens qui étanchaient sa soif et il s'est blessé sur place. Et les enquêtes ont immédiatement commencé avec l'intervention de la police et un suspect a été appréhendé sur le lieu. Et l'enquête continue pour pouvoir rechercher le criminel qui a jeté la grenade et le traduire devant la justice. Et au stade actuel de l'enquête, rien ne montre qu'il y aurait des mobiles politiques derrière, d'autant plus que même les victimes, les blessés, c'était soit des membres du parti CNDD, FDD au pouvoir, mais aussi des membres du parti CNR qui étanchaient leur soif à ce bar-là. Et il y a des informations fournies par la population qui précisent qu'il y aurait une concurrence, que ce bar aurait une clientèle importante par rapport aux autres bars, parce qu'il s'agit d'un bistrot qui se trouve à côté des autres et le bistrot aurait beaucoup de clients. Et donc il y aurait eu cette rivalité-là qui aurait abouti à cette attaque. Ce sont des informations qui ont été fournies par la population et qui sont maintenant sous analyse par la police.